Bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Sheltered, ce fameux jeu de survie à la 60 secondes, mais avec un système de jeu. Quoi? Alors attendez, excusez-moi. Mais enfin. Qu'est-ce qui. Pourquoi? Alors là, excusez-moi, là, je comprends pas du tout, j'ai pas joué au jeu depuis la dernière fois, et là, du coup, il se passe un truc. Bah, je vais essayer de régler ce problème, parce que ça m'inquiète un peu. Bon, eh bien, j'ai relancé le jeu, on va voir ce que ça donne. Ah! Ouf! Gros stress. Donc, je sais plus ce que je disais que voilà, c'était un peu un jeu en mode survie comme à la 60 secondes, où voilà, il y a des personnes, 4 personnes qui sont enfermées dans un bunker. La principale différence, et c'est là que j'estime que Sheltered est beaucoup mieux que 60 secondes, c'est que dans Sheltered, on gère vraiment tous les aspects de la vie dans le bunker. Et alors que dans 60 secondes, les événements ont lieu aléatoirement et que comment dire, la résolution des événements se fait de manière aléatoire, c'est-à-dire que les mêmes événements arrivent dans un ordre aléatoire et ne se résolvent pas de la même façon. Là, voilà, le seul aspect aléatoire qu'on a, bah, c'est qui vient nous voir et comment, quels sont les objets qu'on récupère, mais tout le reste, c'est nous qui gérons. Donc, je pense que ma partie s'est plutôt bien commencée, a plutôt bien commencé, pardon. Mais là, ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué pour moi parce que j'arrive vraiment pas à gérer tous les aspects, l'oxygène, l'eau, les maladies. Il faut pas que je donne à manger et à boire alors qu'ils reviennent du dehors, etc. Attendez, je mets pause. Aussi, l'autre fois, il y a la pauvre Shirley qui est décédée dans mon salon là, et moi je me suis dit bon ben c'est cool, ça veut dire quoi récolter? Et en fait, on récupère la viande de la personne. Alors moi bon, je suis content parce que là j'ai plein de bouffe, mais en fait, mes personnages ont gagné en trouble. Et voilà, et en fait, j'avais pas compris. Moi, je pensais qu'ils voulaient l'enterrer. Et bah voilà, je vais continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est qui ça? Ça, c'est Ted. On va lui demander de relever le piège. Ensuite, nous allons prendre Dolores. Non, mais Dolores, une fois qu'elle va réparer, je vais lui dire d'aller se coucher. Non, de se laver. Et alors lui par contre il est en train de nettoyer. Lui qu'est-ce qu'il fait? Larry on s'en fout. Larry on va lui demander. Ah, attendez. On va lui demander. Non là c'est bon. Durabilité c'est bon. Bah rien en fait. L'oxygène par contre. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bah Larry tu vas réparer ça. Ensuite qu'est-ce qu'elle fait la pauvre pitchounette? Elle est en train de vomir partout. Oh la pauvre. Elle a une atoxine. Ah bah c'est bon elle s'est soignée. Bah parfait, alors regardez ce qu'on va faire. Mary Jane, on va lui demander de fabriquer ça. Ah mais j'ai pas assez. Il me faudrait du câblage et une ampoule. Bah j'ai rien de tout ça. Pourquoi il veut pas relever le piège? Pardon. Pourquoi il veut pas relever le piège? J'ai pas vu. Je ne sais pas. Alors Dolores, tu vas te laver. Ensuite, tu vas dormir. Mary Jane. Alors, les médicaments, je sais toujours pas comment est-ce qu'on les fait. Et ça craint. Voyons. Non, il n'y a rien de tout ça. Il me faudra un sac de couchage supplémentaire. Je n'ai pas. C'est compliqué. Alors, regarde ce qu'on. Oh, je peux faire de la peinture. Eh bien, quelle couleur on va mettre? Bah, comme ma chaîne est verte. Ah, c'est trop cool, regardez ça. Ça fait un peu hôpital si je fais vert, non? Ouais, allez, on va faire. Non, mais le vert, c'est l'espoir. Allez, on va peindre la chambre en vert, comme ça les gens voient du vert. Non, allez, ça. Comme ça les gens. Ouais, non, allez, la chambre en vert. Cool. Alors, Ted doit aller aux toilettes. Donc, Ted va faire pipi. Voilà. Ensuite, je vais te demander de remettre la combinaison. Ensuite, Timmy, on va lui demander de fabriquer un masque à gaz. Je n'ai plus de quoi faire un masque à gaz. Ah! Une pièce supplémentaire. Eh bien. Ouais, on va faire ça. Et Mary Jane, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ah, elle peint. Je ne peux pas le faire, nous n'avons plus d'eau. Quoi? Oh! Bon, le mec, il ne peut pas faire caca parce que il a pas. Il a plus d'eau. Et du coup, bah, je peux faire d'exploration si j'ai pas d'eau. Alors, cette partie va vite s'arrêter, je le sens. Oui, elles sont presque vides. En fait, tu veux dire qu'elles sont vides. Oh, elle est trop mignonne, ma petite Mary Jane. Elle est en train de peindre la chambre pour sa maman. Oui, ça c'est Ted.
Allez, bah, on va avancer. Et puis là, bah, en fait, je crois que je peux rien faire, hein, à part fabriquer ça. Non, bah, je peux même pas fabriquer un truc d'eau supplémentaire. Et ben, c'est pas drôle. Alors, attendez, ça me gratte l'oreille. Bon, alors. Bah, on va avancer jusqu'à ce qu'il pleuve ou jusqu'à ce qu'il meure, parce que là, en l'occurrence, je ne peux strictement rien faire. Larry, bah tiens, répare les toilettes. Ben Ted répare ça en attendant. Mary Jane répare ça, j'en sais rien. Ah, cool! Il y a un mec qui vient venir me vendre de l'eau. Trop bien. Et en fait, ça sert à quoi balayer les fréquences? C'est Mary Jane qui balaye les fréquences. Ah ben on va voir. On va voir ce que c'est. Allez, on va faire venir le monsieur plus vite. Et hop, oui! Oh, regardez, elle balaye les fréquences. Je sais pas ce que ça fait en fait. C'est cool. Alors je réponds. Salutations, je cherche un refuge. Accordes-tu de telles choses? Je suis valide et travailleur. Désolé mon gars, j'ai pas assez d'eau. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui nécessite réparation? Ted, répare le lit. Ouf, dors. On dirait qu'il est en train de taper sur Dolores avec son marteau. Oui, chien, chien, j'ai compris. Alors, je vais te donner à manger. Avec de la viande de... Avec de la viande de... Comment elle s'appelait? Nancy? Non, elle s'appelait de Shirley. Et Larry. Alors, pardon, j'ai raté mon coup. Larry, je vais te demander de nettoyer l'abri. Alors, non, on va faire ça d'abord. Ça, on va le mettre là. Voilà. On va le mettre, genre, faire le coin de nettoyage. Non, mais c'est bien là, en fait. Voilà, on va le faire là. Parfait. Voilà. Échappe et on va te demander de nettoyer l'abri une fois que tu as fini de réparer. Bon, eh bien, j'avance vite. Ah, oh, trop cool. Alors attendez, Ted. Alors Ted, on s'en fout. Ted, alors Mary Jane, tu vas prendre ta douche. Ensuite, Ted, alors quand il y a de l'eau, je fais d'abord ça en premier. Utilise les toilettes une fois que tu as fini de réparer le lit. Dolores, on va lui demander de boire. Timmy, on va lui demander de se lever et de prendre une douche. On s'en fout si t'es crevé. Comme ça baisse là. Voilà, ah, les réserves d'eau qui montent, ça c'est trop cool. Mary Jane, on va lui demander de prendre une douche avant de boire. Voilà. Qui va finir en premier, le père ou la fille? Le père. Ah, n'a donné aucun résultat. Ouais. Ouais. Mary Jane, on va lui demander de boire un petit coup. Lui aussi. Elle a bu. Lui, il faudrait qu'il fasse popo, mais il dodote. Marie-Diane, on va lui demander d'utiliser. Ah, on peut pas faire ça. Allez, plus vite. Voilà. Ensuite, tu utilises les toilettes. Bon, c'est pas mal là. L'eau, ça monte bien. Ah! Larry a transformé un trait de faiblesse en force. Ah! Larry, voyons. Comment je fais pour savoir. Non. Bah, je ne sais pas. Ah, j'avais pas vu qu'en cliquant droit là sur le portrait, ça l'enlevait du mode auto. Et ben Larry, répare-moi ça. Oh non, Larry, t'es dégueulasse. Bon, Larry, tu vomis, tu nettoies. Voilà, c'est bon. Ted, repose-toi parce que t'as bien besoin de dormir. Toi, tu vas faire caca. Timmy, t'as besoin de boire. Allez, bois de l'eau. Toi, t'as besoin de dormir. Allez, je fais dormir Ted. Et qu'est-ce que c'est quoi ce bruit dégueulasse? Ah, ici, qui boivent. Je fais dormir les deux. Comme ça, quand ils seront bien. Je les enverrai en exploration comme je sais si bien faire. Ce lit n'est plus en très bonne état. Oh non, tu dégoûtes. Alors attends, vas-y, répare-moi ça. Qu'est-ce que tu manges, toi? Je t'ai pas autorisé. Dis donc, Timmy. Mais t'es sérieux, Timmy? Mais c'est pas possible. Bon, allez, Timmy, tu m'as saoulé. Timmy, il me saoule autant dans 60 secondes que dans. Que dans. Shelter. C'est horrible. On dirait qu'on a les pièces pour ça. Alors attendez. Bah Larry, désolé, hein, gars. Tu nettoies, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oh, regardez. Oh merde, c'est la merde, j'avais pas vu. Alors, attends. Oh. Tu remets du carburant.
Durabilité 70, durabilité 75. Alors ensuite, de toute façon, lui, on le sacrifie. On va lui demander de réparer ça. Quoi? Ouais. Montaigne, il fait quoi? Alors. Ah, bah, c'est pas mal. Ah, le chien. Comment va ma petite Mary Jane? Elle a faim. Donc, on va lui demander de boire, de manger de la viande de dernier recours. Ah, c'est de la viande de dernier recours, j'avais pas vu. Oh, j'ai que ça. Ouais, bah c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, quitte la ville, il dit c'est bon, je m'en vais. Allez, on prépare une expédition. Ted. Ouais, Ted. Avec. Mary Jane qui a faim, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des endroits que j'avais jamais visités. C'est quoi ça? Petit réservoir. Ah oui, il y a de l'eau. C'est pas mal. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. 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 Voilà. On équipe. Oh pardon, on équipe ça, on lui donne... Ah j'ai du mal, on lui donne ça. Ah j'ai pas de masque. Et j'ai pas de masque. Donc je ne peux pas faire en fait. Oui, juste je regarde un truc. Alors attendez, fabriquer un objet. Je n'ai pas de... Il faut quoi? Il faut du plastique. Est-ce que je peux faire ça par exemple? Alors attendez. Transmission. Ah voilà, c'est ça. Pour les marchands. Ok, parfait. Donc on avance, on les laisse vivre. Ah, alors attendez. J'ai pas vérifié l'autre fois. Larry, Larry, relève le piège, s'il te plaît. Pourquoi il veut pas le relever? Déjà. Ah, trop cool. Il relève celui-là, relève celui-là. Ah non, mais Timmy, 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 ça se fait pas, tu dégoûtes. Est-ce que la viande ça se cuisine? Mais le problème c'est que je ne sais pas comment on fait. Alors, Mary Jane, on va lui demander de manger de la viande. Ouais, il y a trop de choses à gérer, c'est chiant. Entre nettoyer l'abri, se laver, tout ça. Oh, tu dégoûtes, mec. Bon, allez, prends ta douche. Allez, on balaye les fréquences jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Ah, c'est de l'eau. Ah, c'est cool. Plus noir en surface. Je suppose que ça se boit pas beaucoup. Que c'est pas super top. Bon ben. Bon toi tu. Oh non, mais vous êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Allez, on accélère pour voir ça. Je suppose qu'il faut pas boire cette eau. Je ne sais pas comment faire. Une idée là. Qui veut faire pipi popo? Tiens, toi. Utilisez toilette. Oh là 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 là. Alors, Linda, je suis ici pour faire affaire à prix correct. Oui! Alors, trop cool. Alors, de la bouffe, je te prends. Quoi? 30? Des lampes. Oh là là. Oh là là. Ah oui, alors des ampoules, il m'en faudrait. Qu'est-ce que je peux lui donner qui vaille autant? Ouais, d'accord, t'es sérieux. Bon, ben, regarde ta bouffe, hein, meuf. Ampoule. Il me faudrait du plastique. Elle n'a pas de plastique. Ça ne sert à rien. Et ben, on va échanger ça contre ça. Voilà. Ouais. Salut. Ah, mais j'avais jamais remarqué en fait. J'avais pas pensé à tout lire. Donc ça commence. Ok. Ah, c'est marrant. Donc là on est jour là on est jour là. Nous n'avions jamais imaginé que Shirley puisse partir si tôt. Nous ne voulions pas perdre lui, d'accord? Google Traduction, la situation est désespérée à ce point ici. Il est dur de vivre comme nous le faisons, mais cette personne qui est venue nous voir aujourd'hui dit que le meilleur moyen de se défendre, d'étendre, consiste à lire. Ok. Bah c'est pas grave, écoutez, je prépare une exploration. Tant pis, c'est... Ah, dégueulasse. Personne suivante. Ma petite Mary Jane. Et donc j'avais dit que je ferais... Non, regardez. Regardez, on va faire ça, ça, ça. Allez, c'est parti.
Tant pis pour le masque. J'ai besoin de faire ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est la cuisse de Shirley, j'avais pas vu. C'est horrible. Allez, ma petite chérie, je t'équipe. Et je suis en train de tilter un truc, c'est que je sais plus combien elle a de force en fait. Donc on va lui enlever ça. On va lui donner un bâton. Voilà. Allez, j'envoie le groupe. Bim. Et on accélère jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau. Bon, par contre là, les gens, ça va pas du tout. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Nettoyer l'abri. Répondre. Betty. Salutations, je cherche un refuge. Désolé. Ensuite, transmission radio. Fouiller les lieux. Allez, on accélère. Hop, accepter la transmission. Approcher les étrangers. Le problème, c'est que j'ai pas de quoi échanger avec eux en fait. Toujours le mort là-bas. James. Hey, salut, la journée s'est bien passée jusqu'ici? Donc, qui c'est qui a le plus de charisme? 2 pour elle et 8 pour lui. Donc, je choisis lui. Échanger. Tu veux qu'on voit si on peut s'entraider? Tu n'es pas dans la meilleure position actuellement. Alors fais-moi plaisir et accepte mon offre. Parce que je ne suis pas bon pour toi si je ne suis pas content. Oh! Des comprimés anti-radiation. Pourquoi il veut pas donner ça? Pourquoi tu veux pas donner ça? Ah non, c'est bugué en fait. Ouais. 80! Ok. Désolé. Ouais. Au revoir. Pas de charisme. Désolé. Ah. Examiner les éléments. Ah bah voilà, il parlait d'un bouquin. Parfait. Je continue. Oui. Larry, tu nettoies. Merci beaucoup. Et on accélère. Ah. Super, je les accumule. Oh mais Larry, Larry. Oh. Alors attends. Timmy, donne à manger avec de la viande humaine. Ah, c'est cool. J'ai beaucoup. Oh non, mais non! Oh, il m'énerve lui. Tiens, bah toi tu vas te laver et on va voir ce que nous répond Janet. Ah oui, trop cool. Alors, Janet. Voyons voir. Si j'échange ça contre ça, ça ne sert à rien. Alors, j'ai besoin d'une ampoule. Ah, une ampoule, c'est 4. Ah, ça, c'est 10. J'ai besoin de plastique. Je vais prendre de la corde, du sable. Combien ça vaut? 11. Qu'est-ce que je peux leur donner en échange? Non. Je sais pas, donne-moi du sable encore. Très bien. Et ben en fait, regardez, je vais lui donner toute la viande dégueulasse. Et comme ça, je prends de la vraie viande. Et oui. Oh oui. Oh, mais je suis un génie. Parfait. Parfait. Allez, on échange. Du coup, normalement, je reste à 7. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce que ça passait. Allez, lave. Nettoie, nettoie, mon petit. Allez, on accélère. Hop. Plus noir, ils vont encore se choper la gastro, laisse tomber quoi. Alors, fouiller les lieux. Tête à la base, petit réservoir en vue. Approcher les étrangers. Alors là, on a peut-être des choses à échanger avec eux. Ouh là là, elle est hirsute celle-là. Saleté de poussière, non? Choisir lui. Confirmer. Échanger. Arrête un peu, tu crois vraiment que je vais te laisser m'insulter avec un discours de vendeur aussi grossier, un racolage si peu subtil, si maladroit? Oh! Les gens, ils se foutent de moi. Hein. Alors, examinons ça. Oh oui, oh oui, oh oui, alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Allez, on continue. Alors, attends, Tim, il veut se laver. Répare, puis prends une douche. Ah, parfait. Alors, fouille les lieux. J'accepte. J'examine les éléments. Oh.
Bah, je prends tout, de toute façon. Voilà, j'ai de la place. On verra plus tard. Vous avez vu, je suis déjà allé dans ces bâtiments et en fait, je retrouve des objets en fait. Donc, ça se régénère un tout petit peu, je pense. Et c'est juste que, en fait, il doit y avoir d'autres personnages. Oh! J'aurais dû lire. Je sais que vous m'insultez toujours parce que je lis pas. Capturé? Je ne sais pas. Oh! Oh! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Ouf! Allez, vas-y, déboîte. Oh merde! Allez, attaque! Oh mon Dieu, mais elle déboîte le loup, Mary Jane! Oh, oh la vache, il est en saignement en plus! Oh la vache! Oui, 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 oui! Oh merde! Oh, mais c'est cool du coup, c'est la première fois que je vois un. Est-ce qu'on peut le capturer? Ah! Merde! Et ben, c'est étonnant. Alors attendez. Désarmé, à part lui enlever les crocs, je vois pas trop. Oh la vache! Oh, mais c'est qu'elle est violente la petite! Ouh, 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 ouh. Aïe, ah. Oh merde, ça y est, je saigne. Aïe, 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 aïe. Allez, on capture. Ah, on peut pas. Bon, je pense qu'on peut pas capturer. Oh, le pauvre. Le pauvre. Oh non, le pauvre loup. Oh! Bon, bah finalement, merci. Oh mon Dieu! Elle a tué le loup. Forcément, elle devient un peu cinglée. Mais là, attendez, c'est. Il saigne, donc j'ai peur qu'en fait, il perde de la santé au fur et à mesure qu'il avance, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange? Mais bon, continue à accélérer. Allez hop, j'accepte la transmission. Fouiller les lieux. On réaccélère. Ah, ah! Qui est ce monsieur? Oh, attendez, j'ai pas vu. Larry, 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 s'il te plaît, ajoute du carburant. Parce que là, quoi, il n'y a pas eu de transmission? Dolores? Tu vas faire caca. Et, oh là là, on n'a pas le temps. Bonjour, ah oui, alors faisons des petits échanges. Du ciment, c'est bien parce que j'en ai plus. Ah si, j'en ai un. Et j'ai un de calcaire, mais j'ai trois de. J'ai trois. Donc en fait, c'est pas mal. Tiens, je vais donner un de sable. Comme ça m'en fera 2-2. Donc je donne un autre objet qui sert à rien. Genre ça pour l'instant. Ah, d'accord. Bah, je récupère ça. De l'eau, c'est bien. Caoutchouc. Problème, c'est que. Je ne sais pas en fait. Tiens, je vais prendre un petit moteur. De mémoire, c'était pas très cher. Si je lui donne ça, je peux prendre plus de choses en fait. Donc, on va faire ça. Quoi? Ah. 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 Et ben, on va prendre plus de moteurs. On va prendre plus de valves. Ben voilà, parfait. Peut-être que j'ai pas besoin de ça en fait. Je vais prendre ça. Voilà, c'est bien. On va enlever un moteur. Pas grave, je suis perdant. Non, c'est parfait. Et ben voilà. Ça peut toujours servir, un circuit électronique. Voilà, petite transmission. Examiner les éléments. Oui, bon alors là, écoute, je t'explique, mon petit gars. Tu prends tout. Tu prends tout. Tu prends. Alors, ça, c'est quoi? Tuyau, on s'en fiche. Ça peut être recyclé, mais le problème, c'est que je sais pas comment recycler. Alors, ça, on va peut-être le poser pour obtenir du tissu. On va prendre ça, ça fait peut-être du plastique. Ça j'en ai, ça j'en ai. Une hache c'est pas mal. Du calcaire, on va prendre. Et on va prendre un clou. Voilà. Je vérifie. C'est compliqué, hein? Allez, on accélère. Voilà. Fouiller les lieux, les terres dévastées. Alors, il y a des gens qui veulent parler. Oui, impliquez-vous.
Tom Sawyer. Excellent, un autre survivant. Je ne veux pas entendre parler de la création d'un monde meilleur. Oui, ok, juste le temps de dire bonjour alors. Alors, que reste-t-il? Je ferai peut-être aussi bien de me joindre à toi. C'est soit ça, soit tu restes assis à attendre la mort. Désolé. Je pensais que tu pourrais nous être utile, mais on dirait bien que tu n'es pas à la hauteur. Je savais que tu te dégonflerais. Tu es comme tout le reste, comme le reste de cet enfer sur terre oublié de Dieu, sans cœur, à plus. Ah, j'aurais peut-être accepté en fait. Allez, fouillez-moi ça. Parfait. Parfait. Oui, alors, Dolores, prends ta douche. Et ensuite, tu dors. Timmy, tu utilises les toilettes. Ensuite, tu remplis. Et ensuite, tu bois. Ah oui, non, mais du coup, voilà. Lui, je sais pas comment faire pour le capturer, en fait. Bonjour, ici Maria, nous avons trouvé un petit réservoir. Oh, ah bah! Voilà! C'est simple. Donc on va demander à Larry de j'ai du mal. Récupérer le piège. C'est génial. On s'en fout, on va lui donner. On lui donne pas la combinaison. Voyons. Oh, mais alors là, je suis chanceux, c'est trop cool. Et ben voilà, c'est parti. Oui. Par contre, j'ai pas eu de plastique. Oh. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, fabrique un objet. Tu vas me fabriquer. Par contre, j'ai plus beaucoup de bois. Hein. Ça craint du boudin. Là, il y a piège à coller moyen. Ok, fabrique-moi ça. En fait. Oh, Ted a subi un empoisonnement par rayon. Mais bien sûr. Puisque je les ai envoyés. Pourquoi ils sont pas là? Il ah, faut attendre qu'ils arrivent tous les deux. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Mais écoutez, je vais juste faire ça. Faire ça. Faire ça. Peut-être augmenter son perception. Mary Jane, tu prends ta douche. Il faut pas qu'il mange avant d'avoir pris la douche. Ted, tu attends. On va avancer vite. Jour 18, c'est pas mal quand même. Hein. Alors, Ted, prends ta douche. Mary Jane, maintenant que normalement elle est bien lavée, on va lui demander de faire caca. Oh non, mais elle est pas sérieuse. Et de manger. Voilà. Et Ted, on va lui demander par contre de. Ah, il a plus beaucoup de vie. Hein. De prendre des antiradiations. Allez, on fait ça. Parce que la vie descend en fait là. Oh merde. Dépêche-toi Ted. Oh là 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 là. C'est horrible. Bah écoutez, je sais pas quoi faire. À part dormir pour toi. Et dormir pour toi. Bah je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas si mal. J'ai bien avancé. Jour 18. C'est toujours mieux que la dernière fois que j'ai joué. Et puis, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Là, j'ai quand même essayé d'appliquer un petit peu ce que vous m'aviez... dit la dernière fois, et j'espère que je sais pas qu'on va essayer de quand même de commencer à s'inquiéter par rapport au camping-car pour essayer de fuir cet endroit un peu catastrophique. Et bien, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes aventures dans ce jeu. N'hésitez pas à regarder mes vidéos de 60 secondes parce que je sais que ça vous plaît et que ben là je suis en mode 60 secondes dans Sheltered. Et puis, je vous dis comme d'habitude, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir.